les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo où on va conduire une motocross pour la première fois. Les gars, vous ne rêvez pas. Devant vous, vous avez une magnifique 250 KTM. C'est tout simplement la moto de notre père et on va l'essayer aujourd'hui pour la première fois. Donc les refs, nous on n'a jamais conduit de moto, sauf en Thaïlande, parce qu'on avait conduit des petits scooters. Mais là, la différence entre un scooter thaïlandais et ça, il y a de la différence mon pote. Surtout que les gars, aussi on t'a oublié, mais quand on était petit on avait une mini Piwi. Mais bon, on était petit, il n'y avait pas de vitesse. Là les gars, moto à vitesse, frein au pied, ça va être une découverte. Voilà, on appelle ça une motocross, mais les gars, pour les pros, vous savez, c'est une enduro. Mais bon, c'est pareil, en tout cas, franchement, je pense qu'elle envoie de la patate. Regardez les gars, on a même l'équipement. Mettez une note sur 10 les gars. Le jaune. On a acheté une petite tenue, donc si vous êtes chaud pour les vidéos moto, qu'on en achète une et tout, normalement ça devrait arriver, ça va être incroyable. Les gars, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimeriez qu'on achète une cross et qu'on fasse plein de vidéos, des lives sur la cross. Franchement, ça pourrait être lourd. En tout cas, Lilian, on perd pas plus de temps. Les gars, on arrête de parler, on est dans un décor magnifique, on a une magnifique moto, on fait que de parler. C'est parti, on va essayer le bolide les refs. Juste, on va essayer de pas la casser, parce que là si on la casse, les gars, on est mort. La caution les refs, faudra que nous fassiez des dents sur les lives. Hein. Bref, on perd pas plus de temps. C'est parti pour les plans stylés de la moto. Let's go! Les gars, c'est parti. Un rêve commencé. Je vais la démarrer, les gars. Pente, je vais pas la démarrer au cric. Je vais la démarrer au démarrage électrique. Comme ça, les gars, c'est plus facile et tout. C'est pas galère. Vas-y, là, c'est parti. Il est sur la moto. Oh, ça fait bizarre. Regardez comment elle est big, la moto et tout. Oh, les gars, je stresse vraiment là. J'ai trop peur du démarrage. Mais c'est parti, les gars. Les gars, on l'a déjà fait 3 fois le démarrage parce que ça fait peur, les gars, de partir et tout quand tu l'as jamais fait. Surtout que c'est une grosse moto. Allez, c'est parti. Elle a peut-être passé la bonne. Je crois qu'il a passé la première, les gars. C'est parti, il est parti. Il est parti, les refs. C'est parti, oh les gars, c'est juste incroyable. Allez les gars, c'est parti, putain, je parle pas, je suis stressé. Oh les gars, c'est bon, je suis parti, c'était mon seul objectif. Démarrer sans stresser, pas faire n'importe quoi, parfois je suis parti. J'avais juste peur de ça les gars, comment démarrer, comment lâcher l'embrayage. C'est bon, c'est réussi, première étape les gars, c'était juste ça qui me faisait stresser. Bon les refs, Elliot il vient de terminer du coup sa petite ligne droite. Là il est tout au fond avec du coup mon père. Et franchement j'ai trop envie d'essayer mais ça me fait un peu peur. En tout cas c'est incroyable. Comme d'hab, si vous kiffez les vidéos moto, abonnez-vous en masse. Let's go les 300 000 et dites-nous si vous êtes chaud du coup pour qu'on s'en rentraîne. On en refasse d'autres, on achète une motocross. Dites-le nous en commentaire. Mais là les gars, il va refaire sa ligne droite, ça va être incroyable, j'ai trop hâte les gars. Regardez les refs, la vue de malade avec les montagnes derrière et tout. C'est parti, vas-y Elliot. Les frérots, c'est parti, deuxième démarrage, cette fois-ci en montée. Et on va rejoindre Lilian pour que Lilian fasse son premier tour. Faut plus parler chinois là les gars. Ah, ça fait bizarre de voir ton frère sur une moto. Alors que normalement il est sur une trottinette, c'est pas de la trottinette ça. Il est parti, ouais, oh, il a failli cabrer au début frère. Oh Elliot. Oh les refs, même si là on fait juste une petite ligne parce que c'est la première fois qu'on conduit tout, c'est incroyable. Alors je m'imagine même pas si quand on ira dans un parking ou un endroit on n'aura plus d'espace, comment ça sera ouf. Donc c'est incroyable les gars. Les refs, c'est parti, dernier aller-retour pour Elliot. Là il va faire du coup toute la ligne, ensuite il va revenir. Regardez-moi comment c'est incroyable. Vas-y, c'est parti. Là je pense les gars qu'il a plus besoin d'aide, il peut le faire tout seul, genre les demi-tours et tout. Donc vas-y, attends, on te laisse faire hein. Ah bah, il a calé. Bon, ça devait bien arriver un jour, hein, comme la vidéo voiture, les gars. Allez, c'est parti maintenant. Ouais, les gars, ça a failli se lever, frère. Wesh, il a cabré, les gars. What, les refs, il a cabré. Ouais, j'ai failli se lever, les gars. Wow, les gars. Wow, les gars, wow. C'est incroyable frère. Oh les gars, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé les mecs? J'ai failli cabrer au début en partant. Après je me suis pris une bosse. Oh c'était fou. Ok c'est bon les gars, je suis parti. Maintenant je vais la retourner tout seul les gars.
Comme mon père a dit les gars, ça fait des brasses, hein. Elle fait 110 kilos pour ce qui se demande. What the fuck les refs. Oh, il a commencé le démarrage, il a cabré, il a lâché trop vite l'embrayage, je sais pas ce qu'il a fait les refs. Oh, c'est trop drôle frère. Je vais pas tenter de passer à deux les gars parce que comme on est sur un terrain, c'est un peu compliqué toi. En vrai je peux tenter hein, je sais pas. Non je pense pas les gars, je vais tenter. Allez c'est parti, on redémarre les gars, c'est parti, je stresse encore. Allez les gars. Merde, j'ai calé putain les gars. Fais chier, j'ai lâché l'embrayage trop vite les gars, c'est ma faute. C'est bon les gars. Let's go. Oh attention, on évite ça les gars. Et go les gars. Oh les gars, je me suis envolé. Oh les gars, je me suis envolé. Je sais pas si vous avez vu, j'ai mis un gros coup de gaz. C'est incroyable les gars, vraiment. Attendez les gars, deux secondes, toujours un débutant quand même. Allez c'est parti, je fais demi-tour. Oh, elle a failli m'écraser. Je suis bloqué entre deux trous. Les gars, faut que je fasse un peu plus de muscles là. Allez, c'est parti, cette fois-ci je la rends à Lilan les gars. Merci en tout cas à tous qui m'ont regardé. En tout cas les refs là, du coup, vous voyez, on est assez bien équipés quand même et tout. Mais tous ceux qui veulent faire du cross ou je sais pas, pensez bien à vous équiper. Franchement, c'est grave important. Au moins le casque, vous mettez des bottes, des équipements et tout. Parce que franchement les gars, ça peut servir. Nous là, on est sur des petits chemins et tout. Mais même, tu vois, on sait jamais, il serait retourné, il aurait besoin par exemple d'équipement. Et ça peut toujours aider quoi. Dernière ligne d'Eliott, c'est la dernière ligne, c'est parti les refs. En tout cas vous avez vu, il a fait le demi-tour tout seul et tout. Franchement pour une première fois là, il gère assez bien, donc c'est carré. Mais voilà les gars, c'est la première fois, on va s'améliorer. Et puis voilà hein. De toute façon comme on vous l'a dit les gars, c'est l'avant-bouche de ce qui arrive avec les motocross. Donc si vous êtes chaud, explosez-moi cette barre des likes. Et c'est parti les gars, il va démarrer là. Oh non mais les gars, oh, qu'est-ce qui m'arrive. Attends mais c'est ce que je vais faire en pire les gars. Je vais mettre un tout petit peu plus en descente les gars. Hop. Elle est éteinte là les gars. Ok c'est bon, je vais démarrer là. Parce qu'en fait j'étais en descente et je freinais en même temps. Ok c'est bon les gars. Ah il est chaud les refs, il est chaud. Ouais je suis en train de réveiller toute la montagne frère. Ok c'est bon les gars. Bon les gars je pense que ça va être fini pour moi. C'est bon je connais les bases maintenant. Autour de l'île en découvrir. J'aurais galéré par contre sur la fin. Les gars je croyais qu'avec lui j'allais jamais pouvoir conduire frère. Il m'a fait 999 calages wesh. Les refs c'est parti. Maintenant je me suis habillé en motard. Maintenant c'est à mon tour les gars de conduire ce bolide. J'ai hâte mais en même temps j'ai peur mon ref hein. Ça se voit je vais finir au-dessus de la montagne. Ouais les gars c'était pas très compliqué. C'était pas, moi je pensais que ça allait être beaucoup plus dur. Mais en fait le plus compliqué les gars c'était le stress. Surtout la moto, tu vois, elle est vraiment, nous on est grands les gars, on fait 1m88, tu vois, elle est grande, elle est stock, t'as trop peur, en fait, les gars, c'est surtout le stress, tu vois, mais après, quand tu sais faire, c'est bon. Bon, après, les gars, nous on n'a pas pu passer de vitesse, parce que regardez, les gars, le chemin, c'est que ça, des bosses, des cailloux, là, tu montes, les gars, parfois, tu perds le contrôle, tu peux pas désaccélérer, changer de vitesse, c'est beaucoup trop dur. Mais vous inquiétez pas, les gars, là, c'est juste une mise en bouche, on fait quelques petits allers-retours, on teste une moto pour la première fois, mais ensuite, on va s'entraîner, on va acheter notre motocross et on va faire plein de vidéos. Voilà, reste à l'affût cet été, ça va être incroyable, quoi. Allez les gars, autour du bilan. C'est bon les gars, il est parti. Oh les gars, c'est... Désolé si je parle pas trop. Ah, il a pas réussi à mettre le pied sur le calque au début. En fait là, faut vraiment qu'il ait confiance et qu'il remette le pied les gars et qu'il le laisse. Je suis un peu concentré les refs. Je croyais que ça allait être plus facile, mais les refs, en vrai, c'est chaud. Hein. Là, les gars, du coup, j'embraye et je freine. Je vais stopper le moteur. Wesh, les refs. Oh, je croyais que ça allait être plus facile que ça. Mais en fait, à peine j'accélérais, les gars, ça me mettait des gros à-coups et tout. Du coup, je mettais pas mon pied là, les gars. Il était pas posé là, le pied, les gars. Ah, les gars, j'ai fait un peu de la D, mais bon, c'est ma première fois, les refs, donc c'est normal en vrai. Par contre, les gars, les plans, dites-moi si vous validez. C'est incroyable. En tout cas, les gars, on compte sur vous en commentaire. Ça sert à rien de critiquer, dire des insultes ou quoi. On a tous débuté un jour. Au contraire, donner des conseils, les mecs. Là, on débute, on va s'améliorer petit à petit. Dites-nous si vous avez des conseils et puis admirez-moi ce plan de vue, c'est magnifique. Vraiment les gars, on a de la chance de pouvoir faire de la moto ici hein. C'est incroyable. Oh, et là t'as Lilian les gars qui est juste là bas et puis ouais les gars, si vous avez des conseils pour le démarrage ou quoi, pour pas lâcher l'embrayage d'un coup, moi je suis preneur hein. Oh parce qu'il y a un moment les gars, j'ai passé je crois 10 minutes, j'arrivais pas à démarrer, que je calais, lâchais trop fort l'embrayage. Bon les gars c'est parti, deuxième démarrage. Regardez moi juste cette vue de fou, c'est pas incroyable les gars, petite moto, vue de fou. Oh, là je vais essayer du coup de bien réussir mon démarrage parce que là les gars, mon démarrage était un peu foiré premier, mais bon c'est pas grave, en tout cas je suis trop hype les refs, c'est trop cool, je kiffe. Allez c'est parti, j'embraye les refs, je démarre. Petit coup de gaz parce que tu connais, on est des fous. J'arrête le coup de gaz, je passe la une. Ok j'ai calé, merde. Bon encore une fois j'ai foiré mon démarrage les gars, j'ai calé, donc c'est pas grave, vas-y on recommence. Allez let's go, donc là j'embraye au max, je démarre. Faut juste comprendre les gars, mais dès que tu comprends après c'est carré. On passe la 1. Ok c'est bon les gars.
Ouais. Il y a quoi, Elliot? Il y a un 4x4, il y a un 4x4. Bon, les refs, là, il s'est pas passé comme prévu. Il y a un 4x4, les refs. Le tournage se passe pas comme prévu, les refs. Les gars, il y a un 4x4 qui vient de passer. On pensait que c'était pour nous, notre père. Les gars, il a voulu prendre la moto pour partir. Et c'est bon, ils sont passés, il y a eu rien. En plus, les gars. C'est pour ça, les refs, faites gaffe, hein, franchement. Faites dans des endroits où vous dérangez pas trop de gens et tout. Nous, les gars, on a fait exprès de se mettre en plein milieu de la montagne, caché où il y a pas de promeneurs. Et les gars, voir les gars, en plus de ça, je sais pas ce qu'il a donné la moto comment à notre père. Notre père, il arrive pour monter dessus et bam, il a calé, les gars. Oh, les gars, c'est chaud. J'arrive, les gars, je pilote, tu vois, je me dis, vas-y, j'arrive bien et tout. Et qui, pourquoi ils sont au milieu de la route? Ils font quoi, wesh? Ils veulent que je roule dessus et tout. Et il me dit, arrête, arrête. J'embrasse, je freine et tout. Oh, c'est n'importe quoi. Bon, maintenant, je sais mettre en nœud, tu mets la une, c'est parfait. Maintenant, faut juste que je gère bien mon démarrage. Et puis, on est carré, vas-y, c'est parti, les gars. Là, je vais faire un dernier aller-retour. Donc, on donne tout. Let's go se régaler. Et puis, c'est parti, les gars. On embraye. De toute façon, vous connaissez la routine. Hein. On embraye, on démarre. Les petits coups de gaz, tu connais. Et mince, les refus encore calés. Ok les gars, c'est géré à la perfection hein. Franchement ça gère bien les gars. Sur mon petit bolide. Franchement je gère plutôt bien les gars, c'est carré de fou hein. On va s'arrêter les refs. Ok carré les gars, c'est bon je me suis arrêté. Du coup là on va juste tourner, faire le virage. Et on sera bon, wesh. Ok c'est bon normalement les gars. Ah c'est bon je me suis mis en neutre. Elle est vraiment lourde la moto les refs hein. Elle fait 110 kilos exactement. Donc voilà, après tu connais hein, j'ai un peu les pecs à ses pecs. Voilà, tourner comme ça, comme ça. C'est parti les gars, dernière ligne droite. Et ensuite on y va. C'est parti les gars, dernière ligne droite pour Lilian normalement. Ok c'est parti, il a réussi. Dès le premier coup. Allez, accélère! On va se garer juste là, franchement, on gère bien les gars. Let's go! On embraye et on freine. Ok! Franchement, pour une première fois, là, attendez, je vais mettre la béquille. Ah, elle est là, la béquille, les gars. Là, on est carré, les refs, franchement. Moi, je trouve que j'ai plutôt bien géré. Hop, là, la moto, elle tient. Bon, les refs, du coup, là, on a pu tous les deux essayer la moto, apprendre à démarrer et tout. Franchement, c'était incroyable. Maintenant, pour bien finir la vidéo, notre père, les gars, va faire des petits tours. Il va aller vite et tout, tu vois. Il va montrer comme quoi c'est son bolide. Après, les gars, il va pas trop bombarder parce que les gars, là, il a pas l'équipement, il est en short, il a des vieux gants. C'est juste un petit bonus pour la fin, pour ceux qui sont restés. En tout cas, merci à tous. Il a dérapé et tout. Mais les gars, je vois que de la fumée. Gros, de toi, c'était des flous. Oh, il a fait un peu, les gars. Ouah, c'est cave. C'est cave, les gars. Bon les refs, on a pu vous faire des plans. Malheureusement, oh, il allait tellement vite que c'était tout flou. Ça arrivait pas à faire le focus, frère. Il va nous falloir encore un peu d'entraînement là pour arriver à ce niveau. Hein. Bon bah les refs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que vous avez kiffé. Merci à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin. Voilà, c'était la première fois qu'on testait une moto, les gars, avec vitesse, tout ça. C'était celle de notre père, 250 KTM enduro. On espère que vous avez kiffé. Et dites-nous en vrai pour une première fois ce que vous en avez pensé, une petite note sur 10. Si vous avez des conseils, tout ça, on est preneur. En plus, c'était la première fois on testait le setup moto vlog avec la GoPro, le micro, tu vois. On testait, c'était un peu une mise en bouche de ce qui va arriver. Donc dites-nous si vous êtes chaud pour les vidéos moto. Restez à l'affût ouais cet été puisqu'il va y avoir que du lourd. On va essayer d'avoir une moto, vous faire plein de vidéos, des lives. Et bref, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos et prochains lives. Comme d'hab, abonne-toi, active la cloche, tu connais les bails, ça régale. Bientôt les 300 000 abonnés. Et puis c'était Elliot et Lilian. Allez, ciao ciao. Peace les boss.